Ah oui. Joli, hein, regardez. 404. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça va? Très bien. Dites donc, ça roule encore bien? Ça roule bien. 1962, c'est quasiment état d'origine. C'est vrai? Avec quelques ajustements toujours à faire, surtout quand ça roule peu. C'est un peu le problème des véhicules anciens. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils soient anciens ou bien qu'ils roulent peu? Qu'ils roulent peu. Qu'ils roulent peu, l'humidité, tout ça, c'est très mauvais pour les véhicules anciens. Donc, il ne faut pas hésiter à rouler dès qu'on a un petit peu de temps disponible. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette voiture? C'est une voiture mythique, hein, quand même. Oui. C'était... Alors, tiens, regardez, venez, les amis, regardez un peu l'intérieur. Oui. Regardez ça, c'est beau. Vous avez tout refait ou l'avez retrouvé comme ça? Non, j'ai un petit peu quand même amélioré. Là, l'intérieur cuir n'est pas d'origine, donc ça a été rajouté après. Avec moi, c'est on va se mettre là, pour que tout le monde nous voit bien. Voilà, un bel échange, le tissu d'origine était abîmé, donc j'ai remplacé par un intérieur cuir, qu'on trouve dans les bourses d'échange, tout ce qu'on veut, en termes de pièces détachées, au moins sur les voitures françaises populaires, ce qui est le cas. Hein. Regardez celle qui est juste à côté, qui est là, jaune pétant, alors là pour le coup... Jaune Cédra, le terme précis. Ah, Cédra, hein, pour être tout à fait précis. C'était une série limitée Citroën, des deux chevaux, les deux chevaux spéciales. Donc une des dernières fabriquées tout à fait avec un moteur de deux chevaux, tout ce qu'il y a de plus rustique, sans option, avec l'ancien compteur, je vous en prie. Pierre, hein, je me mets de, au volant. Pas de troisième glace. Oula. À l'arrière, c'était aussi c'est une voiture de 1978. Vous l'avez récupérée dans quel état, celle-ci? Par son premier propriétaire, quelqu'un de la région, qui s'en est séparé puisqu'il n'en avait plus l'usage l'été. Elle avait 60 000 km et elle a nécessité une restauration quand même, hein, puisque les deux chevaux ont comme caractéristique de ne pas tellement bien aimer l'oxydation. C'est vrai. Donc les planchers, etc., on est souvent amené à les retravailler. Alors vous, c'est venu comment cette passion des voitures? Expliquez-moi. Il y a très longtemps, je crois, oui. Tout petit déjà, j'aimais l'aspect patrimoine technique, hein, et plus que le bricolage, l'aspect peut-être la convivialité, ça évoque nos racines. Ça reste un vecteur de communication extraordinaire, les voitures anciennes. Pourquoi? Quand vous vous promenez avec une voiture ancienne, je crois que tous les gens ont connu un père, un grand-père, un oncle, un ami qui a roulé, eux-mêmes ont des souvenirs. Alors maintenant, l'âge aidant, c'est plus difficile de trouver des gens qui ont roulé en deux chevaux en 404, mais ça existe encore. Ça évoque la sympathie. Voilà une 302 Peugeot. Donc il y a eu des variantes qui s'appelaient 402, qui s'appelaient 402B, 402B légère. Et celle-ci, c'est la 302, donc, qui a été fabriquée en 1937. Alors on voit toute la mécanique, le moteur. Alors, c'est un moteur classique, vous voyez le carburateur, le radiateur, donc pas grand-chose de très compliqué, hein, le démarreur et la dynamo. Ce n'était pas un alternateur à l'époque, c'était une dynamo. D'accord. Et la fiche d'entretien d'époque, hein, ça fait partie du petit plus qui vous permet de... vous resituez donc avant-guerre. Ouais, tout le confort moderne. Tout le confort moderne. Pour l'époque. Donc il y a des aérations, bien sûr. Vous montrer ça. Ah oui, il y a la climatisation. Et c'était effectivement présenté comme une climatisation. Et alors, comment ça marche la climatisation sur ce type de voiture? C'est très classique. Le pare-brise est en deux parties, puisqu'on ne pouvait pas fabriquer à ce moment-là de pare-brise en verre arrondi. Et chacun des volets donc, peut s'ouvrir de manière à aérer l'habitacle lorsqu'il fait très chaud. Et l'essuie-glace donc, suit le mouvement sans problème. Alors, on l'a bien compris, vous êtes un véritable passionné de toutes ces voitures. Vous organisez, vous aussi, avec d'autres, hein, les amis de Tourcoing, la Saint-Christophe. Oui, alors, je suis le petit pivot concernant la participation des voitures anciennes à la bénédiction traditionnelle organisée par les amis de Tourcoing depuis 1938, donc c'est pas hier, mais Saint-Christophe est le patron des voyageurs. Donc, la bénédiction qui a été créée à cette époque-là existait encore pour les voitures modernes. Et l'idée, ça a été de faire venir des voitures anciennes. Et ça a vraiment redynamisé la manifestation, puisqu'en juin dernier, nous étions 450 voitures anciennes sur le parvis de Saint-Christophe, un soir de semaine à Tourcoing. En plein centre de Tourcoing. Ce qui est une animation extraordinaire. Et encore une fois, avec une très grande convivialité, une transversalité extraordinaire. On y revient. Il y a de tout. Et ce sera cette année, donc le mercredi 24 juin, c'est un rassemblement à 19h sur le parvis de l'église Saint-Christophe. C'est marrant parce qu'en vous écoutant depuis tout à l'heure, certes il y a la voiture, certes il y a le plaisir de la conduite, de la remise en état, mais il y a surtout la convivialité qui ressort. Le partage en fait, le partage d'expérience de gens passionnés entre eux, hein, qui s'échangent leurs bons trucs, leurs bons souvenirs, qui font des sorties, qui tombent en panne, qui réparent, qui se font dépanner. Et c'est ça, je crois, ça fait partie de la joie de vivre et de la vie en société, hein, de la convivialité, de la vie ensemble. Tout simplement. Tout à fait dans l'air du temps. Mmh.
Merci beaucoup Pierre pour cette découverte. Merci, moi. Donc on sera avec vous, vous l'avez compris, c'est au mois de juin, rappelez la date. Au mois de juin, et les participants qui s'inscrivent, d'ailleurs je fais ça par internet, ouais. Avec des bouts de ficelle, et ceux qui s'inscrivent, on leur offrira un souvenir, et cette année ce sera un porte-clés à leur nom, hein, s'ils ont la gentillesse de s'inscrire, ce qui facilite l'organisation, ce qui n'est pas obligatoire. Et c'est aussi ouvert, cette bénédiction, aux vélos, aux piétons, à tous les gens qui voyagent. Bon, nous y serons, rappelez la date. Le mercredi 24 juin 2015. Merci beaucoup. Et c'est à Tourcoing, il faut le signaler. Et le rassemblement sur le parvis de la Grande Place. Merci Pierre. C'est moi. Merci. Bonne route à vous.